La Biennale Dakar, c'est aussi les voitures artistiques, jusque-là symbole de puissance ou de progrès. Les voitures sont de plus en plus dans l'art contemporain. Au Sénégal, c'est avec l'exemple de cette voiture appelée Volion. Cette année, nous avons présenté la femme du lion, donc la lionne, en forme de voiture. La voiture, le concept, j'avais acheté une vieille Méhari à l'époque, qui est restée là, que personne ne voulait voir d'ailleurs. Et après, depuis un an, on travaille là-dessus, Boubacar Sarr et moi, qui est un très grand artiste et aussi un grand soudeur. Pire objet de notre ère industrielle, la voiture fait partie de notre quotidien. Désormais, œuvre artistique, surtout quand elle porte la forme de notre emblème, le lion. Mais le message, il est très simple. On peut concevoir la première voiture sénégalaise. Notre symbole, c'est le lion. C'est pour ça que nous avons fait le cœur Gaïné, le bâtiment, donc en béton armé. Et c'est pour ça, aujourd'hui, nous avons créé la voiture. La Biennale Dakar est un rendez-vous de la créativité, une occasion pour promouvoir notre identité culturelle. Cette fois, c'est à travers cette voiture. Derrière là, tout ce qu'il faudrait, c'est simplement essayer de trouver des partenaires. On peut les trouver n'importe où on veut et créer la première voiture sénégalaise, ce qui ne va pas coûter cher. C'est d'abord un 3 chevaux. Ça va nous aider déjà à économiser l'essence au lieu d'acheter des 12 chevaux. Ça peut aller dans la brousse, servir d'ambulance. Une voiture ou une lionne, l'on sent bien que ces artistes ont pris le malin plaisir à transformer cette voiture en un lion, le poids, la forme ainsi que la matière.